suspecte de vous accueillir et souhaitons la bienvenue. Des ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Voilà, thème où on va conduire un bon gars à Pessa qui dit ça. Les premiers mètres, ça n'a marché, la puce, ma maman est citée. Voilà, vous avez dit ça, ma maman est citée. En tout cas, tout ça là est belé. La puce, ma maman est citée. Mon sujet va se porter sur le problème de l'Est. Parce que c'est depuis que nos sœurs, nos enfants, nos parents, nos amis de l'Est ne vivent pas dans la paix à cause de la guerre qui dure depuis des années. Et que le gouvernement n'arrive toujours pas à trouver une solution pour restaurer la paix dans cette partie de l'RDC. On nous parle tout le temps des progrès qu'ils sont en train de faire. Mais sur le plan de la réalité, il n'y a rien de concret parce que toutes les localités sont toujours occupées. Mais il y a quand même des hommes qui ont condamné cette situation, qui ont fait la marche, qui ont payé même de leur santé, qui ont reçu des gaz lacrymogènes parce qu'ils sont de cœur avec tous nos frères de l'Est qui souffrent. C'est le président Martin Fayoulou et les membres de l'ECIDE. Le président Martin Fayoulou, en 2020, était invité au Sénat français où il a apporté toutes les preuves que c'est la RDC qui souffre le plus de tous ces problèmes et qui a eu beaucoup de morts, beaucoup plus que le Rwanda. Donc quand on totalise, nous sommes à plus de 10 millions de morts. Mais comme la communauté internationale soutient beaucoup plus le Rwanda, c'est pour cela que sur le plan international, on croit que c'est le Rwanda qui a connu beaucoup de morts. Aujourd'hui encore, je regardais la télévision où on parlait de génocide rwandais. Mais ce que je trouve triste au niveau de
nous, les gens de la RDC, c'est que nous ne parlons pas beaucoup des 10 millions de morts que le Congo a connus. Il y a le président Martin Fayulu qui s'est dit, on parle de génocide au Rwanda, mais il faut que les Congolais fassent la promotion aussi de leur génocide. Et c'est comme ça qu'il a été parmi les premiers à dire que le 2 août doit être considéré comme le jour consacré au génocide parce que les Congolais ont connu plus de 10 millions de morts. Je saisis cette occasion pour féliciter le cardinal Ambongo qui, pendant son homélie le jour de Pâques, a beaucoup insisté sur la souffrance que vivent les gens de l'Est et l'incapacité du gouvernement à faire face à tous ces problèmes. Et il a donné quelques pistes de solutions. Qu'au lieu que les députés soient payés 33 000 dollars, on pourrait mettre vraiment une partie de cette somme-là, réduire leurs émoluments pour renforcer notre armée en équipement. Donc vraiment, le cardinal a tellement parlé et a parlé dans un sens positif pour attirer la conscience du gouvernement de ne plus être dans la distraction, de se lever et de prendre des mesures efficaces pour récupérer nos terres parce que tout l'Est est déjà parti. Et aussi, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Aussi longtemps que les Congolais ne sont pas réunis, aussi longtemps que les Congolais ne constituent pas une nation, l'ennemi va trouver le moyen pour nous diviser. Et quand on est divisé, on nous pénètre facilement. On occupe nos terres et on tue nos peuples. Donc, il nous appartient d'être organisés, de nous lever, de faire face à cette agression. Un pays de 100 millions d'habitants ne peut pas être continuellement menacé par un petit pays. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Dans tout, c'est une question d'organisation. Si nous avons la volonté, le Rwanda ne pourra même plus oser nous agresser. Mais ayons la volonté, soyons organisés et qu'il y ait surtout l'unité entre tous nos peuples. C'est pour cela que les moments de l'SID sont dans un programme de but, mais nous allons encore nous lever, faire une marche pour montrer nos volontés, notre détermination à mettre fin à ce problème. Et je saisis cette occasion pour dire merci aux membres de l'SID qui ont été de tous les combats auprès du président Martin Fayulu pour l'accompagner dans sa lutte contre l'agression que subit le peuple congolais. Merci infiniment les mamans et merci pour votre volonté, pour votre amour à accompagner le président dans sa lutte contre l'agression. Merci.